fils appartient à la manade des fermes. Il est porteur d'une cocarde valant 18 euros. Le taureau porte le numéro 213. Il est âgé de 4 ans. Porte la cocarde à 20 euros. Par restaurant La Brivade, face aux arènes, Sainte-Marie de la Mer, un euro de plus. Sainte-Marie de la Mer, un euro de plus. Pour Sainte-Marie de la Mer, un euro de plus. Monsieur Roland Chassin, président du parc naturel régional de Camargue, maire de Sainte-Marie de la Mer et son conseil municipal porte la première ficelle à 25 euros. D'Azur et son président Christian Frondi porte la première ficelle à 30 euros. Un euro de plus à la première ficelle. La direction porte la première ficelle à 35 euros. Les arènes des marques qui vous attendent le 31 octobre pour la finale de Ligue Languedoc, un euro de plus. Jacques Mayal, le président de la Fédération française de la course camarguaise, un euro de plus. Sainte-Marie de la Mer, un euro de plus. Aqueduc Vidéotorin, en battant devant les arènes, avec la finale du Trophée des Assanimes, un euro de plus. La présidente Martine Vassal, représentée par Marie-Pierre Canet, présidente sur les gradins, porte la première ficelle à 40 euros. Messieurs les radoteurs, dernière minute de course. Il n'y a pas fait un cadeau.
Un euro de plus.
Bruxelles pour l'orateur Yannick Michelier. Le Tao qui est un trampiste appartient à la manade Ribaud. Il est porté là 18 euros. Ce temps porte le numéro 313. Il est âgé de 3 ans. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et sa présidente Martine Vassal, représentée par un nombre de plus. Reste nos euros, la cocarde pour le réalisateur Jawad Bagloul. À l'unique glace. Le journal La Marseillaise, un nombre de plus. Les journaux La Provence et le Midi Libre portent l'unique glace à 20 euros. L'office au tourisme des Sainte-Marie de la Mer, un nombre de plus. Les Montpilles, la journée festivité au Sainte-Marie de la Mer, un nombre de plus. Hôtel restaurant du Pont de Vaux, Sainte-Marie de la Mer, un nombre de plus. Alors, 24 euros, l'unique gain pour l'orateur Youssef El Mabouba. Restaurant le bord de mer et le patron pêcheur posé au Sainte-Marie, un euro de plus. Par restaurant de la Brigade, face aux arènes au Sainte-Marie, un euro de plus. Garage des sables à Aigues Mortes, un euro de plus. Monsieur Roland Chassin, président du parc naturel régional de Camargue, maire des Sainte-Marie de Seco. Allez,
Les arènes des Saintes-Marie de la Mer qui vous attendent le 30 octobre pour les 50 ans de la manade à Saint-Antoine. Et son grand concours de manade dans ces arènes, un heureux de plus. Aqueduc, vidéo touraine en vente devant les arènes avec la finale du trophée des Assanimes. Un nombre de plus. Messieurs les radateurs. Si on pose une dame, on est venu à la touriste. Vous l'avez vu, ça? C'est une science. Le temps qui a trafi s'appartient à la manade Fabre Maya. Il est porteur d'une cocarde valant 18 euros. Le temps porte le numéro 307. Il est âgé de 3 ans. Coupe cocarde pour l'orateur Youssef Telmabouba. La cocarde est ramenée à 19 euros. Et début, et demain, on va tomber. Pour le radateur Mathieu Abal. Un euro de plus à l'unique blanc. 19 euros, l'unique blanc pour l'orateur Tristan Castel. N'oubliez qu'à marquer, j'ai fait de location d'appartement au salaire de Giro, un euro de plus à la première officielle. Un euro de plus. L'office de tourisme conseil départemental des Bouches-du-Rhône et sa présidente Martine Vassal, représentée par Madame Marie Pierre-Calais, les premières officielles, à 25 euros. Par restaurant Le Revivre qui organise la journée du retournement pour Sainte-Marie, un euro de plus. Association des élevés qui fête ses 30 ans, un euro de plus. Auto-école TCM, un euro de plus. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur et son président Christian Estrosi porte la première officielle à 30 euros. Hop, comme il faut donner une épée au démon. Non, mais je connais une douce. Il a pas mangé.
tient ton match. Le temps qui a trappé appartient à la manade Bernard Lagarde. Il est porteur d'une cocarde valable 18 euros. Ce temps porte le numéro 303. Il est âgé de 3 ans. Gradef porte la cocarde à Féo. Pasco, le tiki 3, promenade de la mer et en Camargo, Sainte-Marie de la Mer, 1 euro de plus. La Fédération française de la course camarguaise. Martina Lagarde, responsable de la page bovine sur le midi libre. Pour 25 euros. Grâce d'euro, coupe de la cocarde pour le réteur Mathieu Abad. La cocarde est ramenée à 33 après la coupe. Allez, regarde. La cocarde 30 euros. Alors c'est l'unique de 18 euros pour le réacteur Yannick Michelier. La cocarde est tout. Et son président Christian Estrosi porte la première ficelle à Pégo. Le sympathique club Noël Mireille et des Sainte-Marie de la Mer, l'heure de plus. Le 21 et 22 janvier 2017, un euro de plus à la première ficelle. Un euro de plus. Attention là. Sainte-Marie de la Mer, un euro de plus à la première ficelle. Je suis d'après ta main. Roland Chassé, président du parc naturel de Camargue. Maire des Sainte-Marie de la Mer et son conseil municipal porte la selle, un euro de plus. Restaurant La Casa Romana au Sainte-Marie, un euro de plus. Prix Armand, un euro de plus. Restaurant Le Flamarose à Baron, un euro de plus. Le deuxième festival des Rennes-Passage, représenté par Marie-Pierre Calais, porte la première ficelle à 35 euros. Thank you.
il est resté aussi tenu à la Bon,
avec M. Bertrand Mazel, président du syndicat de la viticulture. Voilà, un grand bravo pour l'auteur Pascal Laurier. Merci, messieurs. Troisième prix aux auteurs de cette finale. On revient aux auteurs. Vincent Laurent. J'appelle le auteur Vincent Laurent, monsieur Roland Chassé, missionnaire des Saintes-Marie de la Mer, président du Parc naturel de Camargue, accompagné de Jacques Maillard, le président de la Fédération française de la course camargaise. Et un grand bravo aux auteurs Vincent Laurent. Merci de Marine Céline et de la maintenance qui ont participé à cette remise de prix. Bravo à l'auteur Vincent Laurent. Alors bien sûr, la remise des prix, c'est une tradition, se fera en passant au relais culturel, de suite après la bandine. Eh bien, un grand bravo à tous les lauréats de cette 34e finale de course de temps, Marcel Mayac. Maintenant, la Peña, l'Opachi, la Coupe au Centre, c'est à vous, c'est Camerounais.